Allô, Béatrice. C'est moi, Nadia. Non, impossible de parler plus fort. J'ai peur, Béatrice, j'ai si peur. Fais quelque chose, je t'en supplie. On veut me tuer. On me tue. Tu ne dors pas, Nadia. Non, je crois pas. Je ne t'ai pas réveillée, au moins. Oh non, mon chéri. Tu es venu passer un moment avec moi? Tu es gentil. Je te vois si peu depuis quelque temps. C'est-à-dire, j'ai deux rendez-vous, mais je peux les décommander. La maison me demande tout mon temps. Je veux pouvoir te rendre une affaire en plein boom lorsque tu en reprendras la tête. C'est pas pour demain. Va, va, Maxime, ne t'attarde pas. Je te cause assez d'embarras. Et je te suis si reconnaissante de tout ce que tu fais pour Nadia Couture. Je suis heureux, n'en doute pas. Jusqu'ici, je n'avais pas eu le sentiment de servir à grand-chose. Et voici que grâce à... Enfin, par la faute... Non, non, tu avais bien dit. Maxime, mon chéri. Grâce à mon accident, me voici inutile, presque une infirme. Qui dois-tu voir aujourd'hui? Madame Justin compte passer une commande importante. Madame de Méry nous amène sa fille pour la robe de mariage. Elle est jolie, Madame de Méry. Elle est possible, oui. Mais je ne m'occupe que de la commande. Elle est petite. Pas trop d'ennuis. Non, non, l'atelier marche convenablement en ce moment. Il est vrai que Béatrice les tient serrés. C'est quelqu'un, Béatrice. Oui, elle est très bien. Et si belle, si ardente à mordre dans la vie. À quoi penses-tu? À rien. On ne fait pas attention aux divagations d'une malade. Mais tu n'es pas malade, Nadia. Les séquelles de ton accident sont maintenant oubliées, presque disparues. Une seule condition pour que tu sois debout désormais, que tu évites tout ce qui te causerait du souci. C'est vrai. J'oubliais que tu as jadis tellement voulu être médecin. Entendu, docteur, je vais me reposer. À ce soir, Maxime. À tout à l'heure. Dors, si tu le peux. Rien ne vaut le sommeil pour toi. Le sommeil définitif. Hé, Maxime ! Oh, Dominique, pas encore parti pour la Sorbonne ? Et toi, mon bel oncle, pas encore parti pour habiller tes sourires ravageuses ? Et les déshabiller par la même occasion? Je ne m'occupe du physique de nos clientes que pour le mettre en valeur. N'empêche que tu préfères les courbes généreuses aux descentes de lit. À propos de courbes, Dominique, les tiennes s'améliorent. Hé, bas les pattes, mon cher oncle. Donne-moi plutôt des nouvelles de Lalité. Ta tante se repose. Elle se repose beaucoup. Avant votre accident, déjà, elle n'était pas très brillante. Depuis, ça n'a fait qu'empirer. Avec des os cassés, tu sais, mieux vaut l'immobilité pendant quelque temps. Ouais, seulement des os, ça se ressoude. Tandis que tante Nadia reste toujours couchée, à la limite de la syncope et autres amusettes. Ça ne te semble pas inquiétant, ça, Maxime? T'as bien fait quelques vagues études médicales dans le temps, non? Si vagues. Et puis, ma petite Dominique, permets-moi de te dire que je te trouve de plus en plus mal élevée. Stop! Mes parents m'ont expédié chez vous pour me permettre de suivre mes cours, pas pour me surveiller. Serment prohibé. Ta conduite, mon bon oncle, n'est pas exempte de reproche. Je sais sur ton compte beaucoup plus de choses que tu n'imagines. Alors méfiance! Ciao! Maxime, et pas trop d'imprudence, mon garçon. En sortant, envoie-moi Rachel. Ah, parce qu'elle aussi. Monsieur m'a fait appeler. Oui, Rachel. Oui, je sors, et si l'on téléphone, dites soit de rappeler plus tard, soit de me demander chez Nadia Couture. Bien, monsieur. Inutile de déranger madame. Comme toujours, monsieur. Je sais. Tu es très intelligente, Rachel.
Toi aussi, Maxime, tu es intelligent. Même un peu trop. Ce qui veut dire ? Que j'accepte beaucoup. Sauf d'être aveugle. N'oublie pas que je suis l'infirmière de ta femme. Cela me donne certains droits. Allons, ne fais pas ta mauvaise tête. Je file. Est-ce que monsieur n'est pas inquiet pour madame ? Mais non. Voici 15 jours qu'elle n'a pas quitté son lit. Ce qu'il faut, c'est qu'on lui fiche la paix. Pas de visite, pas de téléphone, rien. Et si elle parle de Nadia Couture, lui répétez que là-bas, tout marche sur des roulettes. Allez ouvrir, Rachel. Je suis sorti, n'est-ce pas ? Eh bien quoi, Maxime, on se prétend sorti ? La consigne n'est pas pour moi, tout de même. Que monsieur m'excuse, je n'ai pas pu... Non, merci, Rachel, merci, et laissez-nous. Bien, monsieur. Béatrice, pourquoi es-tu venue ? Pour deux raisons. D'abord, je suis l'associée de Nadia, ce qui me donne le droit de la tenir au courant de nos affaires. Et ensuite, elle-même m'a téléphoné et demandé de venir, et c'est mon amie. Tant pis pour Nadia. Elle a besoin de repos, d'ailleurs. Nous partons ensemble, toi et moi, et justement, j'aimerais... Ne sois pas stupide, mon chéri. Mieux vaut que je lui parle, que je la calme. Elle m'a tout l'air de perdre la tête. Oh, si tu l'écoutes... Je la connaissais avant toi, Maxime. Ce n'est pas parce que j'ai été assez folle pour te céder que... Tu regrettes ? Non, pas encore, mais ça peut venir. Bon, alors pour l'instant, allons-nous-en ensemble. Maxime, il y a des moments où je me demande si l'accident et puis la maladie de Nadia ne t'ont pas libéré du peu de sens moral qui te restait. Attention, un jour ou l'autre, Don Juan tombe sur un bec. Béatrice, je tiens à toi plus que tu ne penses. C'est-à-dire que tu n'acceptes une rupture que si elle vient de toi. Oh, l'heure arrivera où j'aurai le cran nécessaire. Et maintenant... Je vais auprès de Nadia. Nadia. Béatrice. Oh, comme c'est chic à toi d'être accourue. Ah, ça, j'ai plaqué la maison. Mais après tout, mes affaires sont tes affaires. Hein. Et de plus, nous sommes des amis. Tu as vu Maxime ? Oui, une minute en passant, il sortait. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'ai peur. Peur sans raison. Mais après cet accident d'auto plus ou moins explicable, c'est cette maladie qui ne cesse pas. Impossible de me lever sans vertige. Ces malaises constants, c'est rien sans doute, mais je te le répète, j'ai peur. Et que dit ton mari ? Oh, le pauvre. Il dissimule son anxiété, il fait de son mieux. Et le médecin ? Il me drogue, mais... Mais quoi ? Mais enfin, parle. Je n'ai pas confiance. J'ai l'impression... C'est idiot, mais j'ai l'impression de quelque chose comme une conjuration qui m'entoure. Il me semble que je suis détestée, comme si j'embarrassais quelqu'un. Oh, tu dis des bêtises, oui. Non, c'est peut-être tout bonnement ton docteur qui est un incapable. Lui ou un autre. Si l'on a envie de m'expédier dans la tombe... Mais tu déraisonnes. Et autant que tu le saches tout de suite, avant de venir, j'ai appelé Bertrand. Bertrand ? Parfaitement. Jadis, tu avais confiance en lui. Eh bien, moi, je lui ai gardé cette confiance. Et il sera ici d'un instant à l'autre. Excusez-moi, monsieur, monsieur est sorti. Mademoiselle, je ne viens pas pour monsieur, mais pour madame. Madame est couchée. Monsieur a recommandé qu'on ne la dérange pas, sous aucun prétexte. Et personne. Vous direz à votre patron que le docteur Bertrand Saille, son cousin, a rendu visite à madame. Et maintenant, conduisez-moi. Peut-être que plus tard... Conduisez-moi, mademoiselle. Bien, docteur. Par ici. Oui. Madame, le docteur Saille. Bertrand. C'est moi, Nadia. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Oh, que je suis heureuse de vous voir. Mais moi aussi, Nadia. Quoique j'aurais préféré vous trouver debout. Merci, Béatrice, de m'avoir appelée. Espérant que vous lui ferez entendre raison. Voyons, qu'y a-t-il, Nadia ? Je suis ridicule. C'est-à-dire qu'elle appelle à son secours et qu'elle l'oublie une fois que nous sommes autour d'elle. À moins que ma présence ne te gêne, Nadia. Non, Béatrice, tu le sais.
Ce que j'ai, c'est que je suis fatiguée et je prends tout au tragique. Voyez-vous, c'est comme si ma vie s'en allait. Pas de parole définitive, Nadia. Racontez-moi. À condition que ce ne soit pas le médecin qui m'écoute, l'ami seulement. Un très vieil ami. Que j'aurais dû écouter autrefois, oui. Quand on se juge au-dessus de certaines mésaventures, c'est alors qu'il faut redoubler de prudence. Oh, tu vas dire des bêtises, Nadia. Non, Béatrice. J'ai 45 ans. Ma santé n'a jamais ébloui mon entourage. Je ne suis pas sportive. J'aime modérément les parties fines, les soirées terminées à l'aube. Toute chose qui passionne un époux plus jeune, sportif, plein de vie. Vous ne m'apprenez rien, ma pauvre Nadia. Oh, je ne suis pas à plaindre, j'ai eu ma part. Que vous ne soyez pas bâtie à chaud et à sable, soit. Mais je ne vous ai jamais vue aussi mauvaise mine. Et ta voix au téléphone, Nadia, c'était un cri d'angoisse. Vous êtes gentils, tous les deux. Béatrice, mon amie. Et vous, Bertrand, qui m'aimiez jadis. Et qui ai bien cru alors que vous alliez vous-même répondre à cet amour. Vous êtes auprès de moi comme devant mon sépulcre. Oh, tu dérailles. Enfin, Bertrand, faites quelque chose. Soit, je vous examine, Nadia. Je ne suis pas malade. Lasse, simplement. Rappelez-vous que j'ai eu cet accident. J'ai bien cru y rester. C'est Maxime, n'est-ce pas, qui conduisait. Et lui n'a rien eu. Parce qu'il a eu de la chance, c'est pas une raison. Mais que dit-il de votre état? Nous avons commencé la médecine ensemble. Même s'il a lâché les études très vite, il en aura bien gardé quelques rudiments. Alors? Que chez moi, tout est affaire d'imagination, que je me soumets à des images de maladies qui freinent ma convalescence d'abord, mon rétablissement maintenant. D'ailleurs, le médecin vient souvent. Chacun peut se tromper. Et puis tant pis pour les règles de la profession. Je ne vous laisserai pas, Nadia, sans être fixée. Écoute-nous, Nadia, écoute Bertrand. Soit. Pour vous faire plaisir à tous les deux, alors. Eh bien, qu'est-ce que dit mon bon docteur? Que certains symptômes ne me satisfont pas du tout. Nous serons fixés après les analyses. Quelles analyses? Celles qui s'imposent. À condition que j'accepte de m'y soumettre. Mais qui vous en empêcherait? Pas Maxime. Pourquoi refuserait-il? En raison de sa responsabilité. Mais que voulez-vous dire? Eh bien, pardonnez-moi, Nadia, mais vous présentez les symptômes caractéristiques d'un empoisonnement. Pas possible. Non, c'est pas vrai. Je dirais même empoisonnement par l'arsenic ou un dérivé. Voilà une grande nouvelle. Ah non, Nadia, ne te moque pas. J'essaie de comprendre, pas plus. L'état dépressif, les indications cliniques, tout concorde. Empoisonnement subtil, à faible dose, qui dégrade lentement et qui vous met à la merci d'un choc physiologique. Il n'y aurait pas crime, on n'est pas si maladroit, mais que le moindre virus vous attaque, et vous serez dans la capacité de résister. Et vous accusez Maxime? Je n'accuse personne. Sinon, en effet, Maxime d'indifférence. Quant à la source de l'empoisonnement, à nous de l'isoler. Charmant programme. Vous êtes un ami singulier. J'ai un devoir. Je ne m'y déroberai pas. Lequel devoir consiste à faire de mon mari le héros d'un fait divers? L'époux diabolique, il verse le poison à petite dose. Je vois les titres d'ici. Non, enfin, c'est pas possible. Ce peut être une erreur de médicament, est-ce que je sais? Mais cette jeune femme qui m'a ouvert... Rachel, mon infirmière. Choisie par Maxime, je suppose. Oh. Elle m'a paru une curieuse personne. Elle voulait m'empêcher de venir jusqu'à vous. Elle est ponctuelle, dévouée. Peut-être ambitieuse. C'est elle, bien entendu, qui vous donne vos remèdes. Je prends si peu de choses. Et puis pourquoi ferait-elle cela? Je vous renvoie au portrait que vous avez dressé de Maxime. Tu es riche, ne l'oublie pas. Je le sais d'autant mieux que nous sommes associés, toi et moi. Et Maxime n'a rien. C'est cela que tu veux dire? Oh, vous êtes cruels tous les deux. Je ne sais que trop ce que représenterait le veuvage pour lui. Débarrassé d'une épouse que la maladie n'arrange pas, il aurait la liberté en plus. Et Nadia Couture avec, j'imagine. Tu le détestes, hein, Béatrice? Non. Non, je tiens à toi. Nous devons vous protéger au besoin contre vous-même. Et moi, j'aime Maxime en dépit de tout. En l'épousant, oui, j'ai commis une faute.
Mais pas une heure, je n'ai regretté cette faute. Nadia, écoute Bertrand. Au moins, soyez fixée. Sachez ce qui vous menace. Vous aurez ainsi la possibilité de vous défendre. Nous en reparlerons si je ne guéris pas. Je ne garantis rien. Bertrand, prenez garde. Toi aussi, Béatrice. Si vous prenez une initiative que je n'aurais pas approuvée, je ne vous reverrai jamais. Oh, très bien, tu as gagné. J'y mets une condition. Je veux parler à Maxime. Si nous le soupçonnions à tort... Bon, tentez votre chance. C'est votre chance, Nadia. Installe-toi. Ta visite devance mon appel. Bertrand, reconnais-tu être venu hier chez moi en mon absence? Je n'avais pas l'intention de m'en cacher. Tu ne m'aimes pas. Et confidence pour confidence, je ne te porte pas dans mon cœur. S'il n'avait tenu qu'à moi, tu n'aurais jamais franchi ma porte. Je suis venu chez Nadia. Voilà ce qui te blesse, mon cousin. Que malgré tous mes défauts, Nadia se soit mariée avec moi plutôt qu'avec toi. Pénible, hein? Avant qu'elle ne te connaisse, j'étais l'ami de Nadia. J'entends le demeurer. D'autant qu'elle a besoin de moi. Un besoin dont elle ne m'a pas fait part. Que tu sois son époux ne signifie pas qu'elle ait confiance en toi. Un dessein, s'il te plaît. Ça tient en peu de mots. Tu n'as jamais rien fait dans l'existence. Tu voulais être médecin. Par idéal? Pas du tout. Parce que tu voyais là une profession susceptible de t'ouvrir les portes. Heureusement pour les malades, tu as vite renoncé. Sinon, quel charlatan tu aurais fait. Quand tu as rencontré Nadia, tu n'as pas tardé à concevoir tout le parti à tirer d'un mariage avec elle. Tu as terminé, mon cousin? Non! Je me suis renseigné sur le médecin qui soigne Nadia. On ne peut pas dire qu'il jouisse d'une réputation exceptionnelle. Nadia est malade parce qu'elle a choisi de l'être. Elle se refuse à la guérison, voilà. Ce refus va-t-il jusqu'à l'empoisonnement? L'âme a ses poisons, souvent pire pour le corps. Dans le cas présent, je le nomme arsenic. Ou peut-être paration. On hésite tout de même. Nadia se refuse aux examens de laboratoire. Parce que tu as osé lui révéler ton hypothèse. Sur un tempérament anxieux, en déséquilibre psychique, à la merci de la moindre contrariété. Joli travail. Je t'en prie! Ne joue pas au psychologue. Mais dis-toi plutôt que j'exige la guérison de Nadia. En langage clair, tu m'accuses d'un crime. Toi ou tout autre qui aurait intérêt à sa disparition. Ai-je besoin de te rappeler que tu n'avais pas un sou quand tu l'as épousée? Oh, quel plaisir j'aurais à te caloter. Je n'ai pas terminé, Maxime. Je te connais. Ne l'oublie pas. Tu n'as pas l'âme d'un saint et la compagnie d'une épouse malade, vieillie, ne doit pas sembler captivante à l'amateur d'aventure que tu es. J'ai pris mes renseignements. Tu es un ignoble salaud. Je suis l'ami de Nadia. Si elle ne se rétablit pas rapidement, je saisirai la justice. Compris? Allô? C'est toi, Béatrice? Oui. Maxime? Oui. Tu étais à la maison quand Bertrand est venu? Que s'est-il passé exactement? C'est à Rachel, je parie, qui t'a mis au courant. Eh bien, questionne-la. Béatrice, je t'en prie, réponds-moi. À l'instant, Bertrand vient de me menacer. Il paraît connaître beaucoup de choses sur mon ménage, sur ma vie. Et peut-être sur nous deux, Béatrice. Maxime, je t'aime, n'en doute pas. Mais il y a Nadia, et elle doit guérir. Alors ne cache rien. Laisse venir Bertrand, qu'il la soigne. Ce sera mieux ainsi pour toi et pour moi. Arrêtons-nous. Veux-tu, Maxime? Le temps d'installer ton fauteuil. Merci. Tu n'as pas froid, ma chérie? Non. Tu es gentille. Tu en doutais? Les hommes détestent les femmes malades. Toi en particulier, Maxime, qui as besoin d'une compagne toujours pleine d'entrain. Au lieu de quoi, depuis cet accident, je suis l'éternelle couchée. Lasse avant d'avoir rien fait.
De surcroît, pas très joli. Oh, quel est l'idiot qui t'a fourré cette idée en tête? Mon miroir. Il ment. Tu es intelligent, tu as le regard malicieux, la bouche spirituelle. Merci. Seulement, je suis toujours pareil. Et toi qui autrefois ne comptais pas tes conquêtes... Mais tu es folle. Folle. Oui, je l'ai été. Le jour où je me suis jurée, Maxime Lambesque sera mon mari. Enfin, il s'en est fallu de peu que tu ne deviennes veuve. Il y a un mois, j'ai cru que c'était fini. Mes forces s'en allaient. J'étais sans courage pour me cramponner. Tu m'aurais regretté? Cette discussion est stupide. Il faut être lucide. Crois-tu que j'ignore qu'il y en a d'autres dans ta vie? Allons-nous-en, cet endroit ne te vaut rien. Restons. Tu as vu Bertrand ces jours-ci, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des balivernes. Il prétend que quelqu'un m'empoisonnait. Serait-ce une baliverne? C'est lui qui a manigancé cette histoire. Il cherche à nous dresser l'un contre l'autre, toi et moi. Eh oui. Oui, qui serait le coupable? Qui aurait l'occasion de glisser un toxique dans tes aliments? Qui, sinon moi, hein? Il y en a d'autres. Béatrice, par exemple. Elle te trouve à son goût, tu sais. Béatrice est ton amie. Elle me supporte, c'est tout. Il y a Rachel aussi. Oui, mon infirmière a pour son patron des regards révélateurs, outre qu'elle se montre odieuse envers moi. Et Dominique, donc? C'est une peste, ma chère nièce. Ravissante, mais peste. Et qui cache mal son appétit d'argent. Non, ta naïveté me confond. Tu accuses tout le monde, sauf celui qui a un intérêt direct. Qui? Mais Bertrand. Bertrand qui a faim de croire à un empoisonnement. Bertrand qui t'en persuade. Bertrand qui attend le jour où tu fuiras la maison et demandera le divorce. Bertrand qui se présentera alors et te demandera une fois de plus en mariage. Oh, le pauvre Bertrand n'est pas aussi satanique. D'ailleurs... Seule la mort me séparera de toi, Maxime. Pourquoi toujours songer à la mort? Parce que je me suis habituée à elle. Maxime, j'ai rédigé mon testament. Tu hériteras de tout, mon chéri. Mais je... En effet, tu ne m'as rien demandé. Seulement, moi, je veux garder dans ton existence une petite place. La reconnaissance à défaut d'autre chose. Sans ce testament, ma sœur serait ravie de te dépouiller, de reprendre la maison de couture. Elle te chasserait, elle ne te laisserait rien. Tu te vois rebâtissant une situation sans moi, mon pauvre chéri. Inutile de me le rappeler. Désormais, plus de crainte pour l'avenir. Tu es content? Touché, Nadia. Très touché. Mais as-tu raison? Peut-être est-ce cela qui m'a rétabli. Écoute les oiseaux. Ils chantent. Ils ne pensent pas à la mort. Moi non plus, puisque je sais que tu m'aimes. Allô, Bertrand? Oui, oui, c'est Nadia. Venez, je vous en supplie, le plus vite possible. Je suis seule, je vous ouvrirai. Vite. Au secours. Oh, enfin, Bertrand. Ça n'est pas mis 10 minutes. Pardon, Bertrand, mais... J'ai tellement, tellement peur. Lucas, venez vous asseoir. Ne laissez pas vos nerfs prendre le dessus. Calme, mon petit, calme. Merci. Tenez, buvez. Qu'est-ce que c'est? Oh, je songerai à vous empoisonner. Pardon. Merci. Oh, Bertrand, comme je me reproche de ne pas vous avoir épousé, vous... Nous ne nous occupons que du présent. Qu'y a-t-il? Le poison... Ça recommence. Oui, la première fois, je me refusais à vous croire. Quelqu'un auprès de moi
qui m'aurait versé la mort goutte à goutte. Je me trompais, vous voyez? Vous êtes rétabli. Allons donc, regardez-moi. Tout recommence, je vous répète. C'est vrai, pendant quelques semaines, les forces me sont revenues. Je me suis levée, je n'ai plus connu ces angoisses. Rien ne révélait plus la marche du poison. Parce que vous étiez intervenu, vous. J'ai parlé à Maxime, en effet. Ce n'est pas Maxime. Qui alors? Ce ne peut pas être lui. Il s'est montré si prévenant ces jours derniers. Il se consacrait à moi. Il aurait eu maintes occasions d'en finir avec moi. Au lieu de quoi, je me sentais mieux. Et maintenant? Malgré ma joie de l'avoir à mes côtés, comment ne pas deviner son désir de retourner à notre maison de couture? On ne peut abandonner toute la responsabilité à Béatrice. Et puis, j'allais mieux. Ça aurait été maladroit de le retenir. Vous avez eu tort. Sans doute, puisque le poison a reparu. Comme s'il avait attendu la minute où Maxime relâcherait sa surveillance. Nous en aurons le cœur net. En sortant d'ici, je vais à la police. Non, Bertrand, il ne faut pas. Il faut, au contraire. Pour vous, d'abord. Pour Maxime aussi, s'il n'est pas coupable. Le commissaire Nessuneau est un ami. Oh. Il procédera avec assez de tact pour éviter une accusation non fondée. Ai-je le droit? Il faut, Nadia. Très bien, Bertrand. Sommes-nous seuls, madame? Oui, monsieur le commissaire. Mon mari rentrera tard. L'infirmière n'est pas à la maison. J'ai donné congé à la femme de chambre. Quant à Dominique, notre nièce, elle a un cours à la Sorbonne ou un rendez-vous avec des copains. Ça fait beaucoup de monde dans votre entourage. Et tous ceux qui vous approchent sont suspects. Parce que? Les examens sont formels, madame. 1 mg d'arsenic par litre. Nous sommes devant une intoxication chronique et nous pouvons écarter les quelques médicaments qui vous sont prescrits. Je n'aurais pas cru. Achevez. Qui soupçonnez-vous? Je me suis engagé vis-à-vis du docteur Bertrand Sahil à éviter le scandale. Mais vous jouez votre vie. Oui, oui. Et à qui profiterait votre disparition? À votre époux. Nous avons effectué une enquête discrète, rassurez-vous. Monsieur Lambesque paraît assez peu scrupuleux. Maxime est beau. Il moissonne les succès féminins. Il n'a d'autre fortune que la mienne, donc c'est le criminel type à vos yeux. À cela, une objection irréfutable. Maxime m'aime. Maxime ne tenterait rien contre moi. Me perdre serait pour lui une épreuve épouvantable. Souvent une épouse s'aveugle, surtout. Surtout quand elle est d'un attrait discutable, dites-le. Je vous répète, fidèle ou non, jamais Maxime n'envisagerait de me tuer. Le poison n'est pas venu du dehors. Alors qui? Mariette, la femme de chambre? Sans intérêt. Dominique? Qu'espère-t-elle? Y a-t-il un flirt entre elle et Maxime? Autant de questions que je me pose. Mais surtout, il y a Rachel, l'infirmière. Silencieuse, réservée. Derrière cette façade, que d'hostilité envers moi. Si je disparais, la voie devient libre pour elle. Les jugez-vous capables, Dominique ou Rachel, d'un geste criminel prolongé? Entendez-moi. Je ne sais pas. Oh, je suis si lasse, si lasse. Pourquoi les garder près de vous? Renvoyez-les. Ai-je le droit si elles ne sont pas coupables? Et puis, en serais-je fixée pour autant? Alors je dois les interroger. Oh, faites ce qu'il faut pour que j'échappe à cette angoisse, pour que Maxime ne soit plus suspect. Un dernier mot. Ne pourraient-elles être complices chacune dans un dessein déterminé? Je ne sais pas. Peut-être. Mademoiselle Dominique Arpin. Asseyez-vous. Si ça me plaît. Oh, vous serez fatigué avant moi. Vargas, tu prends note. Comptez sur moi, patron. Qui c'est celui-là? Mon adjoint, officier de police Vargas. Parce qu'on fait dans le régulier? Vous m'avez convoqué pour affaire me concernant, déballer la cam. De quoi suis-je accusé? De rien pour l'instant. On bavarde. Y a des endroits plus agréables. Un bureau de police, ça vous a toujours un parfum de placard. Seuls le sentent ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Ça va durer longtemps, notre ping-pong. On vous attend? Un copain ou quelqu'un d'autre? Traduction? Vous avez 20 ans, vous vivez chez M. Lambesque.
C'est à ma tante que je dois cette insinuation. Comme chameau, on fait pas mieux. Et vous n'aimez pas Madame Lambesque? Nadia! C'est une vipère. Est-ce un motif pour l'empoisonner? Vous rigolez? Si un chien la mordait, c'est lui qui crèverait. Le laboratoire est formel. Madame Lambesque est victime d'un empoisonnement à petite dose qui remonte à 6 mois environ. Ça alors, j'en suis givrée. Et vous m'accuseriez? J'ai rien d'une Brinvilliers, moi. Et où serait mon intérêt? Je vais vous faire une confidence, jeune Dominique. Les affaires d'empoisonnement sont celles qui nous en causent le plus. Parce que les coupables avouent rarement et que leurs motifs sont plus instinctifs que raisonnés. On verse le poison par revanche secrète, en quelque sorte. Et vous n'avez aucune affection pour votre tante. De là l'empoisonnement. Quoique j'en ai eu souvent le désir. Le pauvre vieux Maxime, je le plains. Adoré sur commande. Mais personne ne l'a obligé à adorer votre tante. Et la vie? Ne pas végéter, se faire une situation quand on peut en jouir. La fortune n'a de valeur que si l'on est jeune. Oui, tout et tout de suite. Ça risque de mener loin. Tant d'oseilles entre les griffes de la tante, c'est indigne. Sa mort vous rapporterait quoi? Des clous? Donc de toute façon, je ne la pousserai pas de vie à trépas. Changez de coupable. Une dernière question. Monsieur Lambesque, et vous? Non. Possible que j'y ai songé, lui aussi. Mais la chère Nadia l'aurait reniflé illico. Quel scandale! Sans compter que les bons hommes de 40 berges, même très beaux, c'est pas mon genre. Terminé pour la musique? Oui. Cependant, un conseil. Ne jouez pas trop avec le feu. Depuis que j'ai eu mes 15 ans, je sais changer un plomb qui a sauté. Ciao, commissaire! Eh ben, Vargas, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Avec ses sauterelles, savoir où l'on va. Ah, sous les excès de langage, une belle couche de candeur. Alors, patron, innocente? D'un crime, oui. Reste le mari. Madame Lambesque se dit sûre de lui. Dis donc, amène-moi l'infirmière. On va la travailler un peu. Une déposition qui peut tourner à l'interrogatoire. Vu? Oui, patron. Mademoiselle Manceau. Monsieur. Avancez. Vous vous nommez Rachel Manceau. Oui, monsieur le commissaire. Et j'ai 27 ans. Voici un an que vous êtes entré au service de monsieur et madame Lambesque. Oui et non. Oui, cela fait un an. Non, je ne suis au service ni de l'une ni de l'autre. Infirmière, je conserve mon indépendance dans la maison. Qui vous a choisi, monsieur ou madame? Je ne me rappelle pas. Tous les deux, sans doute. Vous êtes la maîtresse de monsieur Lambesque? Non. Vous l'avez été? Je pourrais nier, ce serait une lâcheté. Quelques mois après mon entrée chez eux, oui. Nous n'y avons pas attaché de prix, pas plus lui que moi. Et madame Lambesque, croyez-vous qu'elle n'y a attaché aucun prix? Pour autant que je sache, il ne semble pas que la fidélité de son époux soit pour elle un élément vital. Vous n'aimez pas madame Lambesque? Pour l'aimer ou la détester n'entre pas dans mes fonctions. Pourtant, si vous occupiez sa place... Être la femme de cet homme beau, séduisant, intelligent, et mieux encore, sa compagne, avec en prime la fortune qu'il hériterait. Je ne suis pas chimérique. Précisément, parce que vous avez les pieds sur la terre, vous faites le geste nécessaire pour devenir ce que vous souhaitez. Tu l'as empoisonné, à vous. Vous déraisonnez, monsieur l'inspecteur. Je ne suis qu'un témoin. Comme si je voyais pas clair en toi. Tu fournis de la distraction à monsieur à domicile, de là à se dire si j'étais madame, et l'on passe à l'action. Vous avez des preuves pour étayer ce roman? Allons visiter votre chambre chez les Lambesque. Tu feras mieux de l'avouer, fillette. Allez, un bon mouvement. Pardonnez-moi de ne pas vous procurer ce plaisir. Tant pis. Non, non et non, Nadia, je ne peux pas admettre ça. Rachel est empoisonnant, mais c'est impossible. Comment pourrait-elle? Hélas, elle a tant d'occasions. À la cuisine, lorsqu'elle prépare une tisane, ou en versant le poison directement dans l'une de mes drogues, en échangeant des comprimés. D'ailleurs, le fait est certain, le flacon d'arsenate de plomb dissimulé dans un tiroir de sa table. Mais elle se défend de l'avoir eu en sa possession. Oh, avoue que c'est trop facile. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? C'est toi qui le demande, Maxime?
Franchement, est-ce que tu ne t'es pas montré gentil, trop gentil à son égard? Je lui ai témoigné les égards dus à ton infirmière. Maxime, la malportante que je suis n'a pas droit à une jalousie déplacée. Je devine trop ce qui s'est passé pour cette fille. Vivant seule, sans grand avenir, Rachel a vu en toi l'homme qui pourrait lui offrir une autre existence. Pour cela, il lui suffit de me faire disparaître de ton horizon. Mais elle jure, c'est grand Dieu, que c'est faux. Une empoisonneuse n'avoue jamais, m'a dit le commissaire. Mais eût-elle réussi, me vois-tu, moi, lui donner ta place? Non, bien entendu. Mais parce qu'elle te connaît mal, elle. Tu n'irais pas, ayant hérité de moi, t'embarrasser d'une quelconque Rachel. Je ne m'imagine pas la vie sans toi. Mais me tromper à ce point sur le compte de Rachel, moi qui voulais être psychiatre jadis. Tu aurais été malheureux. Il te faut des femmes pleines de vie et de jeunesse autour de toi. Quand présente-t-on la collection? Dans 3 semaines. Et Nadia Couture obtiendra son succès, crois-moi. Pourvu que toi, chérie, tu n'aies pas trop de succès auprès de nos clientes, ni de nos mannequins. Allez, va. Ne t'attarde pas. Nadia, tu penses vraiment que Rachel est coupable? Si elle ne l'est pas, ils la relâcheront vite. Seulement, la question restera entière. Qui veut ma mort? Nadia! Oh, si je m'attendais! Je peux m'asseoir, Béatrice? Oui, mais pourquoi ne pas m'appeler? Car tu as quelque chose à me dire. D'important, même. De très important. Je suis prête. Tu es au courant pour Rachel, je suppose. Oui, tu me l'as dit, on la soupçonne. On l'a arrêtée. Quoi? Ne me raconte pas que tu l'ignorais. Voyons, Nadia, qui me l'aurait dit? Je viens de passer 3 jours à Lyon pour choisir nos tissus. Et tu ne téléphones jamais à ton amant? Quoi? Oui, à Maxime, ma chérie. Maxime, mon... Non, mais tu es folle! Non, Béatrice, pas entre nous. Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais aujourd'hui, rien ne va plus. Moi, ton amie, ton associée, la maîtresse de ton mari. Disons l'une des maîtresses. C'est même pour cela que je fermais les yeux. Seulement, les choses deviennent trop graves. C'est aujourd'hui que tu as eu cette idée saugrenue? Voilà donc le motif de ta visite, au risque de ta santé. Je suis ici, Béatrice, parce que j'ai la conviction que Rachel est innocente. Qu'elle me déteste, d'accord. Mais elle n'est pas assez idiote pour se lancer dans une aventure sans espoir. En vérité, c'est Maxime qui a mis au point le scénario. Il élimine les soupçons et se débarrasse d'une demoiselle trop amoureuse. Mais tu inventes. Alors, si ce n'est pas Maxime qui a placé le flacon d'arsenic de plomb dans le tiroir de Rachel, ce ne peut être que toi, Béatrice. Mais tu perds l'esprit. Et tu vas dénoncer Maxime à la police? Non, Béatrice. Parce que je suis une pauvre imbécile. Parce que je tiens à Maxime et que je veux le garder coûte que coûte. Pourtant, laisser Rachel en prison, sachant ce que je sais, en ai-je le droit? Tu crois vraiment? Si je m'adresse à la police, on comprendra d'emblée qui est le coupable. Le seul coupable. Oui. Oui, tu as eu raison de venir. J'irai bavarder avec ces gens-là. Monsieur le commissaire, je m'appelle Béatrice Charmaine. Je suis l'associée et l'amie des Lambesque. Et je sais que mademoiselle Rachel Manceau a été accusée à tort. Oui. Oui, c'est moi qui ai dissimulé le poison. Dans quelle intention, madame? Oh, un plan ridicule, je l'avoue. J'espérais que Maxime lui-même découvrirait le flacon dans les affaires de Rachel et qu'il la chasserait. Oui, je suis l'amie de Nadia, je vous l'ai dit. Et la police pouvait intervenir avant Monsieur Lambesque? Je n'avais qu'une seule pensée, éloigner Rachel. Dois-je croire, madame, que vous la détestez personnellement? La jalousie expliquerait mieux votre geste. Je vous répète que je suis l'amie de Nadia. Où vous êtes-vous procuré le poison? C'est un insecticide. Je possède une petite maison près de Rambouillet. Et vous n'avez jamais usé de cet insecticide aux dépens de Madame Lambesque? Serais-je venu vous trouver? Admettons. Mais alors qui? Votre amie Nadia est sous le coup d'une menace constante. Qui est le criminel? Sinon le mari.
Monsieur le commissaire, inculpez Maxime et vous aurez contre vous une masse de témoignages. Sa femme, moi, tous ceux qui les approchent. L'amour de Maxime pour Nadia ne fait aucun doute. Fort bien, madame, je vous remercie. Mais pesez bien votre responsabilité. Allô, Maxime ? Ah, Béatrice, enfin. Où étais-tu tous ces jours-ci ? J'avais besoin de réfléchir. C'est fini, Maxime. Qu'est-ce qui est fini ? Toi et moi, nous. Nous, c'est terminé. On n'en parle plus. J'ai choisi de te téléphoner pour éviter une scène chez Nadia Couture. Désormais, je ne suis plus que l'associée. Et si tu refuses cette solution, je me retire de la maison. Mais pourquoi ? Parce que je ne veux pas être jugée comme ta complice. Tu devrais même renoncer de ton côté. Renoncer à toi ? Ça, évidemment, oui, mais surtout renoncer à tuer Nadia. Le poison, c'est toi, Maxime. La police n'attend qu'une nouvelle imprudence de ta part. Et maintenant, bonsoir. Je prends quelques semaines de vacances. Et tant pis pour la collection, tu te passeras de mes services. Oh, Maxime, c'est toi ? Oh, quel honneur, cette visite. Je voulais te prévenir. Rachel est libérée. On ne la soupçonne plus. Tant mieux. Et qu'est-ce qui les a convaincus de son innocence ? Oh, un témoin imprévu, paraît-il. Le commissaire s'est refusé à me fournir des détails. L'essentiel, c'est qu'elle soit libérée. Parfait. Qu'elle s'en aille, donc. Ah, Dominique aussi est partie. Elle s'installe ailleurs. L'atmosphère empoisonnée de la maison n'a rien de réjouissant. C'est bien ton avis. Mmh. Nadia, à quoi penses-tu ? Au coupable. Car il y a tout de même un coupable, Maxime. Et pourquoi me regardes-tu comme ça ? Parce que c'est toi, mon chéri. Oui, c'est toi qui me conduisais à petit feu vers la mort. Mais ce n'est pas vrai, tu sais que je t'aime. Nuance. Tu aimes mon argent. L'existence large que nous goûtons ensemble. Ta situation chez Nadia Couture. En un mot, tout ce que je t'ai apporté. Mais tu te passerais volontiers de ma personne. Mais tu déraisonnes. Oui, puisque je t'aime, que je tiens à toi tel que tu es, capable de verser le poison et d'attendre le jour où tu seras veuf. Ah, c'est donc cela que tu crois. Eh bien, nous allons divorcer. Non, Maxime, nous ne divorçons pas. À toi de choisir ta prison, ou bien ma cage trop dorée, ou bien la cellule d'un centre pénitentiaire. Ça va chercher dans les 15 ans, m'a expliqué le commissaire. Mais tu es folle, Nadia. En effet, au point de te garder malgré la menace. Quand mon mari va-t-il me tuer ? Bon, à ton aise, je pars. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je téléphone au commissaire, il sera ravi. Si je n'avais protesté de ton innocence, tu serais déjà bouclé. Mais enfin, où veux-tu en venir ? À ce que tu sois un mari tel que je le rêvais. Se consacrant exclusivement à ta personne. Exclusivement. Fini les demoiselles trop appétissantes. Fini les nièces du genre citron vert. Fini les jolies personnes venant rendre visite aux couturiers. Et fini les mannequins, les ouvrières, fini tout cela. J'ai donné les ordres, je vends mes parts à Béatrice. Ah non, non, non ! La prison dorée ou la prison tout court ? Oh, prends garde, j'en viendrai à te haïr. Jamais autant que je me hais pour ma lâcheté. Je te jure, je n'ai jamais rien tenté contre toi. Hélas, monsieur le commissaire, j'ai eu l'imprudence de rédiger un testament en faveur de mon époux. Mais non, non, je n'ai rien fait ! À peine s'absentait-il pour quelques jours que la santé me revenait. Demandez plutôt au docteur Bertrand Saïe. Mais c'est lui qui a mis au point cette abomination. Qu'ils ne reparaissent plus jamais ici. Pas plus que Béatrice, entendu. Désormais, nous deux, tout seuls. Oh, je finirai par être le criminel que tu imagines. Je savais que tu avouerais. Je préfère m'en aller, tiens. C'est ça, mon chéri. Tu t'en vas, mais juste le temps d'annuler, d'effacer tout ce qui te séparait de notre vie à deux. Moi, je vais nous réserver des places d'avion. Comme nous allons être heureux. Des voyages, des ciels, des horizons nouveaux. Et ensemble, toujours ensemble. Heureux l'un par l'autre, l'un pour l'autre, sans rien ni personne qui puisse nous séparer. Toi et moi, c'est tout. Merci, Nadia, de vous être dérangée pour venir jusqu'à mon cabinet. Je préférais. Moi aussi. Maxime ne tient pas à vous rencontrer. Les choses se sont arrangées, vous le savez, Bertrand. J'ai en effet appris pas mal de choses. J'en ai deviné d'autres. Nadia, comment avez-vous osé une chose pareille ?
Est-ce donc un crime de vouloir garder son époux? Au risque de vous tuer, n'est-ce pas? Oui. Oh, je comprends ce qui vous dresse, qui maintenant fait de vous mon ennemi. Comment ai-je eu l'audace de jeter le soupçon sur ceux qui m'entouraient? Jusqu'à faire interroger Dominique, faire arrêter Rachel. Et surtout, surtout rendre Maxime suspect au point que la police était prête à le boucler. Hélas, il n'y avait pas d'autre moyen qui puisse le retenir. Le retenir de force? Je sais. Il ne peut plus m'aimer. Il me haïra sans doute. Mais il m'appartient. Il ne sera pas assez courageux pour choisir la pauvreté loin de moi. Cela valait bien que je m'empoisonne à petit feu. Et le prix que je paie n'est pas trop fort. Adieu, Bertrand. Soyez sûr que je serais allée jusqu'au bout, si ça avait été nécessaire.